La reine Silvia et le roi Carl XVI Gustave de Suède ont célébré leurs 50 ans de règne en compagnie de toute la famille royale. Un jubilé haut en couleur qui a permis de découvrir les petits Alexander et Oscar, qui ont décidément bien grandi. La suite après la publicité le samedi 16 septembre 2023, le roi Carl XVI Gustave de Suède, âgé de 77 ans, et son épouse Silvia, 79 ans, ont traversé Stockholm à bord d'un de leurs carrosses afin de célébrer le jubilé de leurs 50 ans de règne. Parti du palais royal, le couple a réalisé une balade traditionnelle avec une calèche tirée par 6 chevaux, et conduite à la Daumont. Sublime en jaune canari, la reine a salué tous les badauds avec son mari qui portait un costume bleu. Le couple portait ainsi les deux couleurs symboliques de leur nation. Quelques 3000 soldats et marins des forces armées ont entouré le cortège royal durant l'événement. Le roi et la reine ont ensuite embarqué à bord de la barge royale Ordre de Vasa. Des milliers de Suédois se sont rassemblés dans le centre de Stockholm afin de ne rien rater de cette procession historique. La famille royale suédoise était également aux premières loges. On a pu découvrir le prince Daniel de Suède, la princesse Victoria, qui avait choisi une tenue fleurie estivale, la petite princesse Estelle et son frère le prince Oscar, aperçus même avec une coupe de champagne qui devait être remplie d'une boisson sans alcool pour l'occasion, mais aussi la princesse Madeleine de Suède, qui portait une robe bleue, le prince Alexander, le prince Gabriel et la princesse Sofia, Elgvist, de Suède. Après le défilé du cortège, un concert est organisé par la ville de Stockholm où plusieurs grands noms de la scène musicale suédoise se produiront, avant que le centre-ville ne se transforme en gigantesque piste de danse. Il a eu 3 enfants avec Silvia Sommerlas, la princesse héritière Victoria née en 1977, le prince Carl Philippe née en 1979, et la princesse Madeleine née en 1982. La suite après la publicité.